Bonjour à tous, nous sommes dans cette série de prières inspirées cette semaine où on parle de faire confiance en Dieu et faire également confiance en nous-mêmes. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut tourner nos regards vers Jésus et avancer. Et le fait de regarder à lui, ça va nous construire, ça va nous bâtir. Et nous-mêmes, on sera des personnes remplies de confiance pour accomplir les œuvres du Seigneur. Le but de notre émission aujourd'hui, alors qu'on va parler de comment identifier des capacités de Dieu à l'intérieur de nous, mais le but, c'est de voir en fait comment on peut collaborer avec Dieu pour faire ressortir le meilleur de nous. Alors, on parle de capacité de Dieu à l'intérieur de nous. Et qui que vous soyez, en fait, sachez que Dieu a mis en vous des capacités, des talents, des grâces, des choses naturelles. Et Dieu aimerait qu'on puisse les utiliser avec sa force et avec sa puissance. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, on m'avait recommandé de faire un exercice pour connaître les talents que moi j'avais. Et dans cet exercice-là, je devais faire plusieurs choses. D'ailleurs, je l'ai fait, j'ai trouvé ça très intéressant, très instructif. Des choses qu'on m'avait demandé de faire, que j'ai pu faire. J'avais analysé c'était quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. J'avais essayé de regarder à mes différentes expériences, les choses qui m'ont marqué dans la vie. Et j'essayais de faire ressortir de ces choses-là s'il y avait un battement de cœur possible pour moi, en fait. J'avais également analysé des choses qui me donnaient la joie. Et c'est un bel exercice, hein. On pouvait aussi le faire à la maison. J'avais analysé des choses qui me donnaient la joie, des choses que je pouvais faire sans être payée, des choses même qui me faisaient pleurer aussi, des situations peut-être qui venaient vraiment m'attrister. Et ça, c'est un exercice qu'on faisait pour découvrir, en fait, quels sont les battements de nos cœurs. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous, qui nous concernent, nous, qui ne touchent pas forcément les autres, mais qui pour nous sont des choses qui nous tiennent à cœur, des choses pour lesquelles, voilà, Dieu nous a taillé comme sur mesure pour pouvoir le faire. Et c'est très bien de faire tout ça, comme je vous l'ai dit, moi-même je l'ai fait, c'était une très bonne expérience. Et je crois aussi que c'est à la portée de tous. Maintenant, une chose est de découvrir ça et de savoir que, ok, j'ai telle capacité à l'intérieur de moi. Mais une autre chose encore est de pouvoir la manifester, mais pas juste de façon naturelle, j'ai envie de dire, mais de manière glorieuse, en étant inspiré de l'Esprit. Là, on va voir. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, c'est Paul qui parle, et c'est très intéressant ce qu'il soulève ici. Il dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, dont il reconnaît que les capacités ne peuvent pas juste être naturelles, ça ne peut pas juste venir de nous-mêmes. » Il dit « Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Ici, il nous dit clairement que notre capacité vient de Dieu et il nous parle de l'esprit de Dieu, cet esprit qui rend capable d'être des ministres de Dieu, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu dans son alliance à lui. C'est l'esprit, il est en train de dire, qui est au centre de tout. Et c'est par l'esprit, en fait, qu'il y a des capacités à l'intérieur de nous. Et après, il va prendre l'exemple de Moïse. C'est un exemple intéressant parce que c'est les deux personnages que j'ai comparés dans le cadre de cette émission. Il s'agit de Moïse et de Paul. Et il continue, il dit au verset 7, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. » Il est en train de nous dire ici que si Moïse, qui à son temps n'avait pas l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui, comme vous, comme moi, si Moïse à son temps, il a pu faire des exploits avec Dieu à cause de la présence de Dieu qui l'accompagnait, à combien plus forte raison nous qui sommes là, qui sommes les enfants de Dieu qui avons accepté Jésus-Christ, on a l'Esprit de Dieu en nous, à combien plus forte raison on peut accomplir des exploits avec Dieu. Et aujourd'hui, alors qu'on dit comment identifier les capacités de Dieu à l'intérieur de nous, aujourd'hui j'ai envie de te dire en fait, les capacités de Dieu à l'intérieur de toi sont
illimitées. Elles sont illimitées parce que ça ne relève pas que de toi, ça relève de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Alors, je veux t'encourager, toi qui te limites parfois dans tes capacités, toi qui te limites dans ton potentiel, toi qui te limites à tous les niveaux, sache que les capacités de Dieu en toi sont illimitées. Il y a des choses que, oui, avec ta simple force, tu ne pourras pas faire. Oui, si tu ne regardes qu'à toi, effectivement, t'es limité à plusieurs égards, mais lorsqu'on considère le Saint-Esprit qui habite en nous, eh bien, on comprend que tout devient possible, non plus par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ça devient possible de manifester les dons de l'Esprit, vu que le Saint-Esprit est là. Également, tous les signes, les miracles qui viennent de Dieu deviennent possibles. Alors, arrête de te limiter, arrête de te voir comme moins que rien, arrête de te considérer comme une femme qui ne va jamais réussir dans la vie, parce que si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible nous dit que tes capacités sont infinies et c'est à toi de le comprendre et c'est à toi en fait de te dire « en fait, je vais marcher avec ces capacités-là ». Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui manifestent les talents qu'ils ont de manière charnelle. Il y a trop de personnes qui ne prennent plus le temps de consulter le Saint-Esprit, d'agir par l'Esprit pour faire les choses. On se rend compte qu'on a un talent, qu'on soit enfant de Dieu ou pas, on a des dons, on a des aptitudes, on a des talents. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose comme ça qui nous différencie des autres. D'ailleurs, dites-nous ce qui vous différencie des autres aussi en commentaire, ça nous intéresse de savoir. Il y a peut-être des choses que des personnes apprécient sur vous. Et vous savez que dans votre entourage, vous ne le retrouvez pas forcément. C'est aussi bien de faire ce genre d'exercice parce que là, on sait que, OK, moi, voici peut-être ma spécificité. Moi, peut-être quand je prie, il y a quelque chose qui se dégage, que les autres, peut-être ça ne transparaît pas de prime abord. Moi, peut-être quand je parle, c'est différent. Peut-être dans ma façon de me vêtir, peut-être que dans ma façon de travailler, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, ça peut concerner tous les domaines, en fait. Ça peut aussi être par rapport au don de l'esprit. Peut-être que vous, quand vous priez pour un malade, par exemple, les maux de tête, ben, peut-être les maux de tête sont guéris très rapidement quand vous priez. Peut-être que vous faites des choses qui ne relèvent pas du commun. Donc, dites-nous ce que c'est et arrêtons de nous limiter parce que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous et arrêtons également d'agir sur la seule base du talent naturel. On peut avoir beaucoup de talents naturels, mais si on les manifeste uniquement de manière naturelle, rappelons-nous de ce qu'on a lu, ben, la gloire avec l'Esprit est tellement plus supérieure à une gloire qui vient sans l'Esprit de Dieu. Encore, Moïse avait l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que trop de personnes aujourd'hui, alors qu'on est en train de vivre notre vie, parfois on ignore que le Saint-Esprit est là pour nous accompagner et qu'il est le booster de toutes nos capacités. Et par le Saint-Esprit, sachez que vous pouvez faire tout, tout, tout et absolument tout. Il suffit que le Seigneur vous le mette à cœur. Il suffit que ça vienne de Dieu parce que le but n'est pas de faire n'importe quoi non plus. Il suffit que ça vienne de Dieu. Et alors qu'on a cette parole de Dieu, nos capacités sont décuplées. Dans le cas de Moïse, on voit par exemple que Moïse avait déjà à cœur de libérer le peuple. Il a commencé sans l'Esprit de Dieu. Donc, il a vu qu'il y avait un Égyptien qui est en train de maltraiter un de ses frères. Il a frappé cet Égyptien-là. Et le résultat a été quoi? Ça a été la fuite pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il peut avoir des choses dans nos cœurs. Parce que Dieu a prévu d'utiliser Moïse comme libérateur. Ça fait partie du plan. Mais on voit que Moïse avait déjà ces choses à l'intérieur de lui. Vous avez déjà peut-être ces choses à l'intérieur de vous. Mais si elles sont manifestées sans la présence de l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce qu'on constate? En fait, on constate que ça crée plus de problèmes qu'autre chose. On constate qu'on a mal utilisé nos capacités et que le meilleur de Dieu ne pourra pas sortir de nous. Et Paul également a eu le même challenge, j'ai envie de dire, parce que Paul avait à cœur d'exercer la loi de Dieu, d'exercer la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il se précipitait chez les chrétiens pour leur faire du mal. Mais il était à côté de la plaque. Il était à côté de la plaque parce qu'il n'avait pas eu cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et c'est pareil, on peut passer complètement à côté de la plaque même si on a certaines aptitudes, même si on a certaines habiletés,
Paul, il était bon dans ce qu'il faisait. Quand on voit Paul, on voit que c'est un bulldozer, c'est un homme qui fonce, c'est un homme qui ne se laisse arrêter par rien. Donc, il était apte, il était doué dans ce qu'il faisait, mais tant qu'il n'avait pas rencontré Dieu, tant qu'il n'avait pas eu cette connexion avec le Saint-Esprit, mais on voit qu'il était à côté de la plaque. Donc, c'est cette rencontre entre ce que vous sentez à l'intérieur de vous comme don, comme aptitude, comme capacité, ces choses qui vous distinguent, c'est cette rencontre avec l'Esprit de Dieu qui fait en fait toute la différence. C'est cette rencontre-là qui va faire que oui, ce désir, il est là dans votre cœur, comme il était là dans le cœur de Moïse, comme il était là dans le cœur de Paul. Le désir est là, mais la manifestation de ce qui va se produire sera différente. Et vous allez voir que le zèle sera différent. Il y aura une réorientation divine. Pourquoi? Parce que vos capacités sont pilotées par l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est dans ce battement de cœur, en tout cas c'est avec ce battement de cœur qu'on veut exercer en tant qu'enfant de Dieu. Et je vais vous donner trois principaux conseils avant qu'on ne commence à prier. Et ces trois conseils-là ont pour but justement que Dieu puisse puiser le meilleur de nous en fait. Qu'on soit des personnes qui sont aptes à discerner ce que Dieu veut faire. Et alors qu'on identifie ce que Dieu veut faire, mais ce qui se passe, c'est que quand Dieu nous montre quelque chose à faire, il y a une grâce qui vient, il y a une capacité qui vient avec ça. Et c'est comme ça que vous allez commencer à voir que, ah mais tiens, Dieu m'utilise de telle manière ou de telle autre. Et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir identifier certaines de vos capacités. Alors, l'un des conseils que je vais donner, mais avant même, je vais vous donner l'exercice du jour. Oui, j'ai failli oublier l'exercice du jour. Mais c'est de prendre du temps avec Dieu chaque jour pour parler de ce qu'il vous a demandé de faire dans cette saison. C'est aussi un conseil, hein. Ça peut être l'exercice, ça peut aussi être assimilé comme un conseil. C'est vraiment de prendre ce temps chaque jour avec Dieu pour parler de ce qu'il vous a demandé de faire. Intéressez-vous aux choses d'en haut, intéressez-vous aux choses que le Seigneur a mis tout simplement dans votre cœur. Et vous pouvez prendre une seule chose au début, hein, parce que c'est un exercice qu'on va faire. Commencez par une chose, n'allons pas dans 5, 6, 7 choses, sinon ça risque de nous embrouiller. Commençons par une chose, peut-être il y a un fruit de l'esprit que tu veux manifester, tu sens que le Saint-Esprit te pousse à plus de patience. Peut-être qu'il y a un don de l'esprit aussi que tu veux manifester, tu sens que ok, dans cette saison, Seigneur, j'aimerais que tu m'utilises peut-être dans les dons de prophétie. Il y a un projet peut-être que le Seigneur t'a mis à cœur, tu t'arrêtes sur ce projet-là, il y a peut-être une personne que le Seigneur veut que tu évangélises, le Seigneur veut que tu lui prêches la parole, mais tu peux aussi t'arrêter juste pour ce cas-là. Et la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de passer du temps avec Dieu. Prends chaque jour dans la présence de Dieu au moins 15 minutes pour parler de ses plans, les plans qu'il a prévus pour toi. Prends ce temps-là et va avec Dieu dans le lieu secret. Même si c'est 15 minutes, si tu fais moins, c'est pas grave. Si tu fais plus aussi, c'est très bien. Donc, prends ce temps-là où tu es dans la présence de Dieu, où tu dis, Seigneur, je viens parler avec toi de ce que tu as mis dans mon cœur, de cette chose que tu m'as demandé de faire. Et alors que tu prends ce temps, je vous garantis, si vous le faites chaque jour, Dieu aime les gens qui sont fidèles. Dieu aime les gens qui persévèrent. Quand on voit l'histoire des disciples, on voit qu'ils persévéraient chaque jour dans la prière, l'enseignement, la communion fraternelle. Et ça a produit des résultats. Alors que chaque jour, tu es assidu en train de faire cette chose, tu vas voir que Dieu va te mettre à cœur quelque chose à faire. Dieu va t'inspirer des choses à faire. Et quand tu vas faire ces choses-là, tu vas découvrir qu'il y a des capacités en toi qui étaient enfouies, que tu ne connaissais pas parce que tu n'étais pas en train de faire ces choses, mais que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Ça va se décliner en différentes étapes, mais tu dois décider aujourd'hui par rapport à une chose qui te tient à cœur, de te placer devant Dieu et de vivre ta rencontre à toi. Moïse a vécu sa rencontre auprès du buisson ardent. Paul a vécu sa rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus-Christ. Ils ont reçu des instructions et cette connexion avec Dieu a entraîné un travail extraordinaire. Et nous sommes au bénéfice de ces choses encore aujourd'hui. Toi aussi, prends ce temps, parle avec Dieu de ce qu'il va accomplir avec toi. Et tu vas voir que de là va découler des capacités et des aptitudes extraordinaires, des choses que tu ne te doutes même pas, parce que le Saint-Esprit de Dieu en toi, il va réveiller ces choses et il sera prêt à manifester ces choses. Le deuxième conseil que j'aimerais également vous donner, que je trouve qui est important, c'est de ne pas négliger les fruits
qu'on porte aujourd'hui. Parce que plusieurs personnes, on néglige le fruit de nos actions aujourd'hui. On néglige le fait que voilà, aujourd'hui, ben, il y a déjà des maux de tête qui sont guéris, gloire à Dieu. Il y a déjà le mal de ventre qui est guéri, gloire à Dieu. On veut juste voir le paralytique se lever et marcher. Il y a déjà des personnes qui ont le cœur touché avec tes paroles, gloire à Dieu. Tu as lancé cette entreprise, il y a déjà eu un ou deux clients, il y a deux personnes, même si elles n'ont pas encore acheté, qui sont intéressées. Gloire à Dieu. Donc, prends du temps aussi chaque jour pour parler à Dieu du fruit que tu portes. Dans la parole de Dieu, on voit que Dieu lui-même, hein, il a vu que c'était bon quand il a fait la création. Il revenait sur les choses qu'il avait faites. On voit les disciples qui sont revenus. « Ah, mais Seigneur, même les démons nous sommes soumis en ton nom. » Et Jésus a eu l'occasion de leur dire « Ne te réjouis pas de ça. » Réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on grandit. Il y a une sagesse, il y a un discernement alors qu'on est dans la présence de Dieu qui nous permet de grandir, qui nous permet de découvrir de nouvelles choses et d'affiner nos talents et nos aptitudes. Il y a des choses que Dieu va faire instantanément et il y a aussi des choses qui vont prendre du temps parce que bien sûr, le but aussi, c'est de bâtir notre caractère, c'est pour qu'on grandisse. Et la troisième et dernière chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est de reconnaître, lorsqu'on veut identifier aussi ses aptitudes, c'est de reconnaître quand le Saint-Esprit vient sur nous pour poser une action précise. Il y a des inclinaisons que le Saint-Esprit nous donne. Ça peut être dans des temps de préparation, de prière. Le Saint-Esprit vous met à cœur de faire quelque chose. Et tout au long de la journée, vous allez voir la situation se présenter, vous saurez le faire. Parfois, ça peut être instantané où le Saint-Esprit vient sur toi et il faut savoir reconnaître ces temps-là et il faut savoir les saisir, il faut savoir opérer dans ces temps. Le Saint-Esprit vient sur toi, il peut te dire, mais dans cette rue, dis à cette femme que je l'aime, c'est pas le temps de réfléchir de midi à 14h là, c'est le temps de dire, ok Seigneur, tu l'as dit, je fonce. Il faut savoir reconnaître les impulsions du Saint-Esprit et plus tu vas reconnaître les impulsions du Saint-Esprit, plus tu vas voir que waouh, avec moi le Seigneur fait des choses et tu vas voir que c'est aussi des nouvelles capacités. Dans Acte 8, on voit l'histoire de Philippe. Philippe a été saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit « Lève-toi, descends à Jérusalem, à Gaza, vers le chemin du désert. » Il s'est levé, il est parti. Il y avait l'eunuque qui était là et puis il a prêché la parole à l'eunuque. Il a baptisé l'eunuque. Et la Bible dit au verset 39 de Acte 8, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe a été téléporté. Philippe a pu vivre la téléportation parce qu'il a été sensible à l'action du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit voulait faire à l'instant T, il a été sensible à cette action-là. Et parce qu'il a suivi le chemin du Saint-Esprit, il a vécu une téléportation. C'est une capacité que peu de gens parmi nous possédons. C'est le Saint-Esprit qui fait cette chose-là. Donc toi aussi, alors que tu décides comme ça d'être plus sensible, de suivre le mouvement de l'esprit, même si au début tu te trompes, c'est pas grave, alors que tu décides de le suivre, mais sache que tu vas voir qu'il y a des grâces en toi, il y a des aptitudes que tu ne connaissais même pas, il y a des choses que Dieu peut faire avec toi, alors que tu décides de passer du temps avec lui, dans sa présence, il va te mettre des choses à cœur et de cette rencontre va découler plusieurs choses et quand tu vas regarder à toi-même, tu te diras « Waouh, Seigneur, tu as fait des choses au travers de ma vie. » Alors sans plus tarder, on va prier avec Gordon et Julie pour que le Seigneur remplisse nos cœurs encore de ce désir de le servir, de sortir le meilleur de nous et de vivre avec ses capacités à lui. Gloire à Jésus. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Emmanuel. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Emmanuel. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle
s'appelle Jéhovah Jireh. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. Oui, j'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. Nous avons un Dieu puissant. Oui, j'ai un Dieu. Nous avons un qui Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Nous avons un Dieu qui il peut guérit. Tout changer. Nous avons il un a Dieu la capacité de bouleverser. Nous avons un Dieu qui change le cours tu de l'histoire. Yes. Qui s'appelle Jésus yes. de Nazareth. Yes. Il peut tout changer, yes. il a la capacité oh. de bouleverser. Nous avons le Dieu tout-puissant avec nous, qui s'appelle Jésus qui de Nazareth. Le Dieu qui fait toutes choses il à merveille. Tout changer. Nous l'avons avec il nous. A la capacité c'est notre de Dieu. Bouleverser. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Là où tu es, est-ce que tu peux reconnaître que tu as le Dieu de toute capacité à l'intérieur de toi? Tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi et qu'il peut tout changer et qu'il peut tout faire par toi. Il peut tout faire par toi. Tu as le Dieu tout-puissant qui vit à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux le reconnaître et l'adorer? Est-ce que tu peux le reconnaître et l'exalter aujourd'hui? Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu parfait. Nous avons un Dieu saint, nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu fort, nous avons le Dieu de l'impossible avec nous, nous avons le Dieu qui a les capacités illimitées, nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu glorieux, nous avons un Dieu qui nous conduit chaque jour, nous avons un Dieu qui nous garde chaque jour, nous avons un Dieu qui a les paroles de la vie. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous déclarons que nos sources sont en toi. Nous déclarons que nos capacités sont en toi. Nous déclarons que notre force est en toi. Nous n'avons pas besoin de rougir. Nous n'avons pas besoin de rougir parce que notre Dieu est Tout-Puissant. Notre Dieu est merveilleux et c'est lui qui fait ces choses à travers nous. C'est lui qui fait ces choses. Ce sont ses capacités glorieuses que nous avons à l'intérieur de nous. Alors Seigneur, je veux prier. Je veux prier pour toutes ces personnes qui écoutent ces émissions aujourd'hui et qui pendant longtemps ont marché dans le tâtonnement, qui pendant longtemps, Seigneur, ont marché sans savoir où elles allaient, qui ont pendant longtemps ont essayé de faire avec leur propre force. Seigneur, je veux prier pour elles aujourd'hui et je déclare que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu fort et puissant. Tu es le Dieu juste et bon. Et là où vous êtes commencé à dire, Seigneur, je renonce à agir par mes propres forces. Je renonce à agir par mes propres capacités. Tu es là, tu m'écoutes. Tu as lancé cette entreprise, mais Dieu n'était pas avec toi. Dieu ne t'avait pas demandé de faire ça. Renonce. Renonce aux choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire et embrasse les choses que Dieu t'a demandé de faire. Toi qui hésites à te lancer, toi qui as peut-être commencé, Dieu avait mis ce projet dans ton cœur. Tu as commencé, mais tu vois que tu as fait avec, de façon naturelle. Tu es parti avec tes propres forces. Aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu, j'ai un Dieu. Je ne suis pas orphelin, j'ai un Dieu dont les capacités sont infinies. J'ai un Dieu dont les capacités sont illimitées et ce Dieu habite en moi. Tu habites en moi, tu vis en moi. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher dans tes capacités. Je veux faire avec toi, avec la confiance que le Saint-Esprit qui habite en moi peut faire toutes choses. Avec la confiance que l'Esprit de Dieu est là pour me garder, pour me diriger. Avec la confiance que le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit va le faire. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Seigneur, délivre mon frère du tâtonnement. Délivre ma sœur de l'à peu près.
Délivre-nous, Seigneur, de ces pas que nous prenons, mais qui mènent à la perdition, ces chemins que nous empruntons, mais qui ne viennent pas de toi. Aujourd'hui, nous choisissons de faire confiance au Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Saint-Esprit, saisis-toi de nous. Saint-Esprit, fais cette chose au travers de nos vies. Fais cette chose à travers la vie de mon frère et de ma sœur. Saint-Esprit, bâtis cette entreprise. Saint-Esprit, évangélise à travers moi, parle à travers moi, agis à travers moi, touche à travers moi, guéris à travers moi. Tu peux le dire aujourd'hui alors que tu pries, Seigneur, fais-le à travers moi, marche toi-même devant moi, que ce ne soit pas moi qu'on voit, que ce ne soit pas ma main, mais que ce soit ta main, précieux Saint-Esprit, que ce soit toi qui parle, que ce soit toi qui touche, que ce soit toi qui remplisse, que ce soit toi, Esprit de Dieu, qui fais ce projet à travers moi. Que ce soit toi qui imposes tes mains à travers mes mains. Mes capacités me viennent de toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes capacités me viennent de toi. Et je veux faire ce projet avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux avancer dans la vie avec toi. Je veux travailler avec toi. Je refuse de m'établir sur le naturel. Je refuse d'avoir ma fondation sur des choses charnelles. Mais Seigneur, c'est avec toi que je choisis d'avancer. C'est avec toi que nous choisissons d'avancer ce matin. Nous choisissons de poser des actes inspirés par toi. Nous choisissons les capacités de l'Esprit de Dieu en nous. Non pas notre propre force, non pas notre propre puissance, mais la puissance de l'Esprit de Dieu qui peut tout à travers nous. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Seigneur, je veux prier afin que nous soyons sensibles à tes impulsions, aux impulsions du Saint-Esprit. Seigneur, si tu nous dis de parler à une personne, nous voulons ouvrir la bouche pour parler. Si tu nous demandes de poser un acte de foi, même si ça paraît fou, Seigneur, nous voulons poser cet acte de foi. Si tu nous demandes d'agir, nous voulons agir, Seigneur. Comme on a vu hier, nous voulons jeter notre filet. Nous voulons faire ce que toi, tu nous demandes de faire, ce que tu nous mets à cœur de faire. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le Saint-Esprit que tu as libéré, que tu as relâché à l'intérieur de chacun de nous. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir pour tes capacités que nous avons. Seigneur, nous marchons de manière illimitée parce que tu es le Dieu illimité. Nous courons, Seigneur, pour accomplir tes buts et tes plans parce que tu nous as déjà donné la capacité. Par ton Esprit Saint qui habite en nous, nous sommes, Seigneur, plus que vainqueurs. Nous sommes plus que capables de le faire, non pas par notre force, mais par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, tes enfants. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce temps que tu nous as donné dans ta présence. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous pouvez remercier le Seigneur Jésus qui, dans sa grâce, nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit avec lequel Jésus lui-même a opéré sur cette terre. Alors que vous choisissez comme ça, comme j'ai dit, de passer du temps avec le Seigneur chaque jour, de lui parler de ses plans, de lui parler de ses projets pour votre vie. Alors que vous choisissez d'être avec lui, d'être dans sa présence, et que vous choisissez de vous laisser toucher par le Saint-Esprit lorsqu'il veut manifester quelque chose, eh bien, le Saint-Esprit se manifeste et vous voyez de nouvelles capacités agir à l'intérieur de vous. Vous voyez de nouvelles choses se faire également dans votre vie. Tout ça par l'assistance du Saint-Esprit. Nous vous bénissons aujourd'hui. Passez une excellente journée dans la présence de Dieu. Faites cette chose que le Saint-Esprit vous mettra à cœur de faire. Et on se dit à demain dans Prière Inspirée.